Fleury Michon, c'est une ETI familiale vendéenne qui, depuis 1905, travaille sur la conception et la commercialisation de solutions de repas de qualité pour l'ensemble des Français. Et dans ce contexte, ce que nous avons souhaité faire, c'est de mettre en place des modes de financement avec les banquiers qui traduisent notre engagement pour la planète et pour la durabilité de notre modèle d'affaires. Concrètement, ça veut dire que si on produit bien, si on atteint nos objectifs en termes de limitation des emballages, en termes de sobriété énergétique, en termes d'accidentologie au travail, de naturalité de nos produits, le coût de l'argent est un petit peu moins cher. On a mis 5 indicateurs, lesquels viennent, si on les atteint, améliorer le contrat. Cette indexation du coût de nos financements sur notre performance RSE, on l'a mis en place début 2021 sur des prêts qui sont assez significatifs pour le groupe et sur une titrisation, donc une cession de créances. C'est la première titrisation indexée sur des critères RSE en Europe pour une industrie agroalimentaire.